Salut tout le monde, c'est Jim et on se retrouve donc pour le cinquième épisode de Hunter Ned Dead. Alors, je viens de tuer deux zombies pompiers parce qu'au moment où j'ai lancé la vidéo, vu que je viens de relancer, donc ils ont pop et ils viennent juste de me sauter dessus. Il y en avait un là et un deuxième qui devait être pas loin, et donc du coup, il a. A fait comme son copain, il a voulu me croquer. Donc du coup, je les ai tués. Ils doivent être là. Les voilà. Il y en a un qui a dû dépop là, et l'autre était là. Et c'est la pleine lune, et donc ils ont les yeux rouges. Ils sont très énervés. Et donc on va essayer d'être prudent. Alors, on va déjà distraire celui-ci avec un petit fumigène. Ok. Et il m'a vu, super magnifique, une merveille. Et en plus la nuit commence à tomber, on voit rien du tout. On va essayer de les vite fait. Alors je voulais attendre que le jour arrive, mais vu qu'ils m'ont attaqué et tout ça, donc je me suis dit je vais relancer la vidéo pour. Que vous trouviez pas bizarre que j'ai des trucs en plus ou parce que là j'ai refait en fait des bandages du coup j'ai pris un sac à dos et j'ai des salvage. Voilà, allez c'est parti, on va voir s'il y a quelqu'un dans la base militaire. Oh, punaise. Et la nuit on va rien voir du tout, ça va être une catastrophe, ça risque d'être assez folklore. Ah oui, j'ai l'arbalète là. Est-ce que je peux m'équiper de cette arme? Ouais, ok. Je suppose que ça, c'en est un. Oh punaise. Oh punaise. Il est mort. Apparemment, il est mort. On voit rien. C'est une catastrophe. En plus, la vidéo, vous allez rien voir du tout non plus. Ce qui va pas être très très plaisant. Ouais, ça risque d'être compliqué. Je l'ai pas ramassé le. Non, je voulais pas ça. Non, ça, j'en veux pas. C'est le GPS. C'était pas vrai. Ah si, je l'ai. Voilà. Ok. On a donc le GPS. Donc on va virer la carte et on va garder le GPS. Ah voilà. Ouais, c'est nettement plus sympa. C'est plus joli avec le GPS. Hein. Et donc on est ici. Minetari. Griffin Military Base, ok. Donc, comme je le disais, il fait tout noir, on n'y voit rien. C'est pas très judicieux d'avoir relancé la vidéo à ce moment-là, mais voilà. Et puis si je l'arrête, il faudrait que je reprenne, mais ça va me faire une toute petite vidéo. Et comme j'évite les montages. J'ai entendu quelque chose. Alors on va essayer, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'on va pas mourir. Punaise, on voit rien. C'est une catastrophe. En plus, je peux même pas loot la base puisque bah il faut rien. C'est vrai qu'on n'a pas eu de chance, on n'a pas trouvé de lampe torche. C'est vraiment pas pas cool. Je n'y vois strictement rien. Punaise. Est-ce que je peux toutefois régler quand même si on peut régler l'image, enfin la lumière,
Luminosité, je pense pas. Hein. Je ne pense pas. Non, apparemment. Eh bien, tant pis. Tant pis, tant pis. On va se débrouiller. Faudrait qu'on trouve une lampe, ce serait bien. Je vous rappelle les lits. Et en plus, YouTube va assombrir encore la vidéo, donc à mon avis, vous allez rien voir du tout. Ce qui va être super passionnant. Ça va être l'épisode dans le noir. Bon, j'espère que la nuit ne va pas durer trop longtemps. Écoutez, là, exceptionnellement, on pourrait faire un slash D pour mettre le jour. Parce que là, on va rien voir, ça sert à rien, c'est pas... Et comme je vous dis, j'ai pas envie de faire les montages, mais ça m'embête de faire le slash D, quoi. C'est pas mon truc. Mais là, c'est vrai qu'on n'y voit strictement rien, quoi. Donc c'est vrai que je voulais attendre que le jour y passe, et quand il y a eu, comme j'ai tué les pompiers là, donc du coup je me suis dit je vais quand même relancer. Mais c'est vrai que là, c'est une catastrophe. Et on va pas attendre tranquillement que le jour se lève, parce que bah, je sais pas combien de temps ça va durer. Bah, lui on le voit bien, hein. Il n'est pas loin. Est-ce qu'on tente à l'arbalète? Si on loupe, il devrait pas nous voir, non? Je sais même pas s'il y a assez pour le tuer. Il n'y a pas assez pour le tuer. On a une autre. Ah, il m'a pas vu. Yes, on l'a eu, je crois. Magnifique. J'ai vu. Ah, doucement, doucement, ma flèche, voilà. Ok, on l'a eu. C'était joli, ça. Bon, dans le noir, je vois pas l'autre. Ah. Oh bah alors là, franchement, c'est de la chance. Par contre, je crois. Je vois bien des petits yeux rouges là, non? Ouais, je vois bien des petits yeux rouges. Je crois que j'ai vu un rominé. Ouais, enfin là. Oui, effectivement, c'est plutôt nous les titis. Hein. Plutôt nous qui sont. C'est plutôt bouffé. Plutôt qu'autre chose. J'ai perdu la scrie. Ah voilà. Oh punaise, j'ai intérêt à faire gaffe. Parce que là, je vois rien du tout. On va monter un petit peu en hauteur. Hein. J'espère qu'on n'est pas là, non. Ok. Ok, il y a l'air d'avoir encore du monde. Hein. On voit des yeux rouges partout là-haut. Peut-être des yeux rouges. ok. C'est quoi ça? Pantalon militaire. On fiche un peu. Ouais. Que fait-on? Ça aurait été du direct, j'aurais pu vous demander, mais là. Non, bah tant pis. Hein. Oh, je crois qu'on va faire le slash D. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le slash D? Bon, si on va se mettre le jour, on va exceptionnellement, parce que là sinon on pourra pas, on va pas pouvoir en profiter, c'est pas la peine d'insister, on voit rien, voilà.
Bon, c'est la dernière fois, hein. Je lancerai plus la vidéo de nuit tant qu'on n'a pas ce qu'il faut pour éclairer. Mais là, c'est vrai que comme j'avais tué les zombies, du coup, j'ai pas. Sur le coup, je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais lancer l'enregistrement. Et bah, du coup, on y voit mieux. Bon, c'est vraiment exceptionnel, hein, parce que c'est vraiment pas mon truc, hein. J'aime pas trop faire ça, c'est pas du tout mon style de jeu. On va voir si on peut. J'aurais bien voulu. Je peux pas. Réparer ma flèche, tant pis. Ok, bon, on y va, c'est parti. Alors, on a le gilet, mais je crois pas qu'il est meilleur que le gilet de police. Je sais pas s'il est vraiment meilleur ou pas. Bon, on va tester. Hein. Voilà, on va tout vider. Hop, non. On repose l'arme, s'il te plaît, merci. On prend du gilet, on va mettre le gilet. Ouais, c'est pareil. Ouais, bah il vaut pas. Ouais, c'est pas mieux. C'est pareil en fait. Ok, donc on reprend tout ça. La fumigène, on va la balancer parce que de toute façon, on n'en a pas besoin. Ok, on va fouiller les tentes là. On va reprendre quand même une arme en main. Pantalon. La veste, on a dit, ça sert à rien. Ça pour l'instant. Ce n'est pas plus utile que ça. Ici, on n'a pas un pistolet. Est-ce qu'on pourrait le récupérer peut-être? La flèche là, de toute façon, elle est bientôt morte. Ok. Ok. Cette tour-là, on l'a pas faite. Quand même monter voir ce qu'il y a. Ok, une simple veste, on redescend. Ah oui, ça c'était le voilà le poste de contrôle qu'on n'a pas. On voit rien. Alors ici, ouh, ça peut être sympa ça. Par contre, il a l'air de prendre de la. Ah non, ça. De ok, est-ce qu'on peut le mettre sur l'arbalète? Ah oui, oh, génial, excellent. Oh, ça va être sympathique. Ça, ok, on a d'autres ici. Ça, c'est pour faire les sacs de sable. On a bien fait, oui, ok. Ok, il n'y a rien. On va faire cela. Ok, on n'a rien. Oh, j'aimerais bien trouver une lampe torche, quoi. Ce serait vraiment sympa. Couteau, fil barbelé. On s'en moque un peu. Alors, les hangars. Allez, ils sont morts. Okay, on a que des fumigènes ici. Il va caler. Hop. Ok. C'est bon. Ah, du coup, je peux plus ramasser mon. Ouais, bah ça, on va le balancer, hein. Ok, on va vérifier ce qu'il y a dans cette tour. Apparemment, rien. Ok. Ah.
Si je re... Non, on prend. Voilà, tu recharges, voilà, merci. Ah, j'ai oublié, voilà. Un truc. Ok, génial. Comme je suis unique. Alors, j'ai vu que. Oui, 52 en nourriture et 31 en soif. Ouh, ça m'a redonné tout le. Oh, génial. Alors, par contre, en eau, on a pas grand-chose en eau, hein. La flotte, c'est critique, là. Tac, on va. Ça ici. Ça on va le balancer. Ok. Voilà, on récupère notre flèche. Et on recharge l'arbalète. Ok, apparemment il n'y a rien là. Ici. Rien non plus. De stamina pour sortir. Tu veux bien sauter s'il te plaît. Merci. On va aller faire le hangar. Hein. Oh, il y a un avion militaire là-haut. Apparemment les véhicules aussi sont détruits aussi. Bim. Ah, c'est un fantôme, hop, oh, punaise de punaise. En bas, voilà. Merci, au revoir. Ça va. On va faire notre flèche. Celui aussi. Ah oui. C'est dommage. C'est juste pour. Sont trop cons. Hop là. Si je loupe les chaînes. Une grenade. Une grenade. Sympathique. Donc moi j'ai plus de. Ah si. T'en avais une autre? Ah ben non, j'ai jeté d'un. Je n'avais pas tiré dessus encore lui, c'est vrai. Allez, hop. On va récupérer une autre flèche. Okay. On va aller visiter. Attendez, on va faire les tours avant là. À moins que l'entrée elle soit. Ok, elle est du côté. Ok. Ça, on a une petite vue sur le. J'espère qu'il n'y a pas en haut là. Oh, il y a un crasher là. Ok. Ah, une caisse, mais. Il n'y a pas d'armes dedans. Est-ce que j'ai ouais, fait tous les bâtiments là, il me semble. Il n'y a pas de. Je pense pas en avoir oublié. J'espère qu'on aura un petit peu de nourriture. Une cantine, un truc comme ça. Peut-être là en bas. Et là, on a un viseur encore. Alors, est-ce que je peux. Je sais pas si on peut le mettre sur le. Non,
Non. On ne peut pas l'équiper. Ok. Alors on va poser ça. On va prendre ceci. Fermeté. Ok. Ah oui, voilà. Sympa. Ce visant-là, on va pas le garder. On va faire. Alors, tac. 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 Ok. Génial, c'est parti. Celui que je voudrais bien shooter, moi, c'est celui-là. C'est le crasher qui risque d'être le plus dangereux. Il nous attaque à distance. Donc là, c'est celui qui m'embête le plus. Le problème, c'est que si je tire, je vais tous les attirer. C'était sûr. Ok. On a eu le crasher. Et... Oh, punaise. Ah, oh, voilà, ça y est. Oh, punaise. Vite, 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 vite. On fonce. Il faut que je m'éloigne. Le temps de changer d'arme. Ok. On l'a séché. On va se reprendre des bandages. Ok. Ok, c'est bon, c'est remonté pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Vas-y, viens là, toi. Punaise. Y est, on a le rythme, on perd pas le rythme, et voilà. Ah non, on n'a pas de place. On s'en fout. C'est pas grave. C'était pour le style. Ok. Alors. Là, on n'a plus de munitions pour le fusil à pompe. On va le balancer, hein, c'est pas grave. Hop. Là, on a qu'une balle. Ok. C'est pas génial. C'est pas merveille. Et il n'y a pas vraiment de matos. Oh punaise. Franchement, j'avais espéré quand même un petit peu plus de matos que ça. Oh. Voilà. On a l'air de pas grand chose avec ça sur la tête. Hein. Mais bon. Hop. Ok. Non, il y a vraiment, vraiment pas grand chose. Hein. Bim. Voilà, lui il est mort. Ah, je l'ai coupé. On va le tuer avant que l'autre il arrive. Ah, bah ça va. Ça a arrêté là. Hop. On n'avait pas un viseur pour celui-là? Ça aurait été sympa. Voilà. Ouf. Joli. One shot. Donc apparemment il n'y en a pas d'autres dans le coin, sinon on les aurait vus débarquer. Ah, même
pas de munitions. Punaise, punaise. Ça, c'est le laser. Ouais. Encore un autre laser. Apparemment, il n'y a rien dans le hangar avec l'avion. Ok. Ok. Bon, bah voilà, on a fait le tour de la base. Hein. Je pense qu'on a tout visité. Je pense pas avoir oublié un. Endroit, est-ce qu'on a... Non, on a moins de place. Ouais. Donc, on garde le pantalon de police. Ok. J'aurais aimé quand même avoir pour aller dans une ville, parce que là, au niveau flotte, on est pas top. Hein. Alors. On va quitter la base militaire et on va donc se diriger vers le Phoenix Training Ground. Redwood Forest. Non, on n'a rien là. Ah, apparemment, on a un. Ouais, on va aller vers. Allez, un military checkpoint. On a Golden Hills au-dessus. Ok. Ok, bon, on va aller vers le Phoenix Training Ground. C'est parti. Alors, est-ce qu'on peut... non, je vais pas réussir à sortir de là. Par là. Hop, hop, hop. Je vais un peu. Alors, est-ce qu'on peut... si je peux... Je vais reprendre un peu de... Stamina. Voilà. Hop, hop. Voilà, nickel. Impeccable. Tac. Et donc, là, c'est par là-bas. Bon, on a nos doutes quand même un petit peu de matos. On a les lasers, on a les lunettes, enfin, les scopes. J'ai arrivé où j'ai vu un truc dans l'arbre, là. J'ai eu un truc, non? Ah non, j'ai pas arrivé. Oh, on va aller voir ça. Sympa. Sympa, sympa. On pourrait faire une belle petite base ici, hein. Ça pourrait être vraiment sympa de s'installer là. Ah ouais, génial. Ah ouais, c'est... Ouais. J'aime beaucoup. C'est vraiment sympa. Alors... Hop. Donc là, ça doit être... Eh ben, c'est le Phoenix Training Ground. C'est là où on doit aller, ok. Alors, par contre, apparemment, il y a une hauteur, là. On va passer par là. Oh, punaise. Oh, la flotte, c'est vraiment critique. Il nous reste quoi, là? Il nous reste une bouteille d'eau, je crois. Ouais. Et on n'a plus rien à boire. Bon. On a pris un petit peu. On est à 86 d'infection. Il va falloir faire une gaffe. Donc on a encore du sirop, je crois.
Une petite gorgée de café. C'est en deux. Voilà, on y arrive. Et la nuit commence à tomber, donc on va faire ça vite fait si on peut avant que la nuit tombe. Parce qu'on a toujours pas de lampe torche, punaise. Oui, je voulais voir. Normalement, on a encore, me semble-t-il, du sirop. On peut mettre la crosse aussi, enfin le grip. Hop, ça nous libérera de la place. Yes. Ok, génial. Comme ça, on a gagné en stabilité. Ouais, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde. Ok. C'est parti. On a 6 cartouches. On va essayer d'y aller un petit peu discrètement. Oh punaise. Allez, tiens, hop. Lui, il en a pris plein la tronche. On peut les poser comme ça ou il faut. Ah oui, on peut les poser comme ça, ok, d'accord. Je pensais qu'il fallait crafter un truc. Mais non. Ok. Hop. Punaise de punaise. Ah, c'est sûr que j'aime pas cela à chaque fois. Ok. On va manger un truc. Hop. Voilà. Et je voulais voir donc que si on va le balancer, on s'en fout. Ça c'est des pièges. Là on a un magasin. Ça c'est le couteau. Ah. Ici on a encore. Alors celui-là on peut peut-être le strip et on va le dropper. On va garder celui-là. Ok, on va voir si on peut. Non, pas. Ok. On prend la machette. Alors est-ce qu'il y a du matos là-dedans? Juste un là. J'ai eu chaud. Hein. J'avais même pas vu. Allez. Vache. Ils sont résistants quand même les militaires. Hein. Je suppose que ma hachette aussi n'est peut-être plus de première fraîcheur. Ouais, 47. On va essayer. Est-ce qu'on peut. La réparer au moins un peu. Non. Par contre, on peut réparer la flèche. On va le faire. Hein. Ok. Oh, puis là, il y a plein de monde. Oh, punaise. Merde. J'ai couru. Il m'a calé. Ok, voilà. Un de moins. Celui-là, il nous bouffera pas. Le problème, c'est que je voulais m'abriter dans la tour là. Le souci, c'est qu'ils sont tous devant. Et si celui-là me voit, les autres vont débarquer certainement. Non. Je suis pas comme Steve. Voilà, c'est bon. Est-ce que celui-là va me voir? Peut-être que si
mon salon. Ok, c'est bon. Par contre, j'espère qu'il n'y en a pas en haut. Non, apparemment. Il n'y a personne en haut. Ok. Donc, eh ben on va se quitter là. La nuit tombe. Comme ça, on va reprendre deux journées tranquillement. Et on finira de looter les bâtiments en bas là. On va essayer d'éliminer tout ce beau monde en bas. Le souci c'est que quand on déconnecte et qu'on reconnecte, et ben il y en a qui repop. Donc ça risque de changer entre temps. Hein. Faut pas s'étonner. Donc des fois si je coupe et puis que quand on revient. Parce qu'en fait entre chaque épisode, je coupe le jeu pour regarder la vidéo, voir ce que ça donne. Et donc du coup quand je relance. Eh ben, c'est différent. Voilà. Donc, eh ben, on va se quitter sur ce joli ciel étoilé. Cette belle lune. Voilà. Je vous dis donc au prochain épisode. Bonne soirée, bonne nuit, bonne en fonction de ce que vous faites quand vous regardez. Voilà. C'était Jim. À plus tard. Bye bye.